Alors, coucou. Voilà mon étagère. Hop. Toute légère en plus. Et ce qui est bien, j'ai eu un vrai marteau. Et il reste des pièces de rechange. Cool. Il reste 4 tiges, un pied et une toile de chaque. Ça, c'est top. Allez, maintenant je vais débarrasser là-bas au fond. Je vais mettre mon étagère dessus et on se revoit tout de suite. Thank you.
J'ai réussi à tout ranger, j'ai eu peur, j'ai cru que je n'allais pas savoir tout mettre. J'avais hésité à prendre une plus grande, mais ça serait pas rentré dans... Quelle tête. Ça ne serait pas rentré dans ma... sur ma table, puisque ça je ne veux pas le mettre par terre, à cause des poussières, tout ça, je ne veux pas que ma laine se retrouve à terre. Il y avait aussi un autre modèle... avec les arrières fermées, mais bon, payer plus cher juste pour qu'il y ait des dos sur les étagères, j'ai pas trouvé l'utilité, parce que moi, ben, du coup, c'est contre le mur, donc il n'y a pas de problème. Bon, si par exemple, vous voulez vous servir de cette étagère-là pour en complément dans votre maison pour autre chose, bon, des fois, vaut mieux peut-être celui où les dos sont fermés. Mais bon, mais c'est de la toile. Je vous remontre. Voilà. Et, du coup, j'en ai deux. Une de chaque de rechange. Voilà, vous voyez, c'est de la toile. Là, c'est comme du tissu. Et là, c'est plastifié. Voilà. Donc, bien sûr, vous n'allez pas y mettre des bibelots qui pèsent une tonne. Bon, eux, ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 5 kg par étagère, par cube. Mais je ne vais pas tenter, hein, voilà. Non, 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 on ne tente pas le diable. Bon, par contre, il ne faut plus que j'achète de laine. Nanana. Il faut que je vide un peu mon stock avant d'en racheter. Je dis ça, mais bon, ça c'est la dernière que j'ai achetée. Il y a des nouvelles laines dedans que vous n'avez pas encore vues, mais je vais vous faire une autre vidéo, une récap avec la laine que j'ai. Alors dedans, il manque les cotons fil d'art, mais je les ai vendus. Voilà, donc parce que je ne vais pas les utiliser. Donc, ça sert à rien de les garder, voilà. Mais je trouve ça nickel, on se croirait au magasin, hein. On se croirait pas chez Bergère de France ou chez fil d'art. Alors, dedans, j'ai du fil d'art, j'ai du pingouin, j'ai du Bergère de France, j'ai du Hobby, j'ai du Drops, j'ai du Speranza. Enfin, de la boutique Speranza, mais c'est du cheval blanc, je crois. Ouais, c'est du cheval blanc. Voilà, j'ai du Action. Voilà, il y a de tout. Mais je vais vous faire une récap, une autre vidéo récap, si vous voulez, hein, si vous voulez voir ce que j'ai comme laine en détail. Et ici, donc, je me suis fait une petite panière en plus. Ça, ce sont des laines que j'avais détricotées. J'ai les pelotes qui sont là, mais en boule, je les ai mis là-dedans, vous voyez. Et ça, c'était des petites pelotes gratos que j'avais eues, enfin gratos, avec la box My Box, tricot, un truc comme ça. Et ici, là, il y a les DP à chouchou. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'était...
embêtant, si c'était intéressant. Bon, maintenant, il faut que je continue à ranger ma pièce. Alors, c'est devenu le bordel. Je vous mets quelques secondes de vidéo juste après. Hiroshima. Donc je suis en train de tout ranger. Je vous explique pourquoi il y a ce bordel. Je m'étais fait un coin scrap, tout ça, bricolage en bas. Et en fin de compte, bah, on a tout remonté parce que bon, déjà sur la table sur laquelle c'était, c'est une table que les pieds tenaient plus. Donc on s'est débarrassé de la table. Et du coup, j'en ai profité, j'ai dit, allez, hop, je remonte tout. Si j'ai besoin de faire une carte, une page de scrap, bon, j'en fais pas beaucoup, je n'en fais plus beaucoup. Et puis, encadrer les DP ou les broderies, ça, je peux le faire en bas sur la table de salle à manger. Donc voilà, alors maintenant, il faut que je continue de tout ranger ici. Ça, je vais pas le faire aujourd'hui parce que hier j'ai commencé, je suis restée 2 ou 3 heures dans ma pièce à trier, à mettre en vente ce que je voulais vendre, à jeter tous les cartons parce que j'avais plein de cartons, j'en ai encore. Bah là, du coup, les cartons de laine vont partir aussi aux encombrants. Et je me suis fait une migraine ophtalmique après, à cause de la fatigue, certainement. J'ai trop fait de trucs d'un coup. Moi, j'ai des maladies qui me fatiguent très vite. Ça se voit pas hein, sur ma tête, mais bon. C'est pour ça que je suis en invalidité. Et hier, je me dis, ah ouais, j'ai bien fait 3 heures sans arrêter. Et je me suis fait une migraine ophtalmique après. Après, c'était fini. Là. La journée était morte. Je ne pouvais plus rien faire. Donc là aujourd'hui on va y aller calmos. J'ai monté mon étagère, j'ai rangé mes laines, c'est très bien, ça ira pour aujourd'hui. On continuera le rangement demain. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. Si vous voulez le voir, dites-le-moi en commentaire. Si ça vous intéresse de voir la continuité du rangement de ma pièce, de mon atelier ou pas. Voilà. Et puis, bah, puis voilà. J'ai remonté aussi, c'est mes malles de broderie parce que c'était en bas, ça prenait de la place et ça n'a rien à voir, ça sert à rien que ça reste en bas. Ça aussi, je les ai remontées. Voilà, moi en bas, on circule un peu plus aussi. C'est mieux quand il y a du monde qui vient, enfin, nous, il n'y a pas grand monde, hein, à part mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, on reçoit personne d'autre. Voilà. On n'est pas des sauvages, hein. Non, 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 nous ne sommes pas des sauvages, mais c'est notre façon, comme ça, bon, et pareil, la seule maison où on va, c'est chez mon fils, de temps en temps, on va voir le fils de mon mari à Lille, voilà, et non, on n'est pas des sauvages, on est juste des casaniers, voilà, on est bien chez nous. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles et ce beau travail magnifique, je vous laisse pour aujourd'hui et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et j'attends tous vos commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Allez, gros bisous, à bientôt.